L'arrestation d'un opposant vénézuélien radicalise le mouvement de contestation. Leopoldo López s'est rendu lui-même à la police hier en marge d'une manifestation organisée à Caracas contre le président Maduro. Les militants venus se plaindre de l'insécurité, de l'inflation et de la corruption ont soutenu l'économiste recherché notamment pour terrorisme. Nous ne devons pas quitter la rue, dit-il. Nous revendiquons notre droit de protester, mais pacifiquement. Mes frères, je vous demande à vous ici, mais aussi à tous les Vénézuéliens qui souhaitent un changement, de vous informer, de vous rassembler, de nous organiser et de manifester pacifiquement. Un appel au calme alors que les affrontements entre opposants et sympathisants du président ont fait au moins 4 morts depuis le début du mois. Une situation qui risque de s'aggraver. Les manifestations étaient assez peu fournies jusqu'à présent, mais l'arrestation de Leopoldo López risque de changer la donne. D'autant plus que les supporters du président sont eux aussi nombreux et mobilisés.